Salut tout le monde, allez c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle semaine de voiture d'occasion. On remonte jusqu'au 15 septembre. C'est parti. Smart for two, 17 000 euros, ça fait un peu cher. E-Golf. Bolloré. Oh, cette couleur là, Smart là. Saxo électrique, on va aller voir. Zoé Edison One. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a toujours pas d'occasion de Zoé avec batterie incluse. Mais je pense que ça devrait pas tarder quand même, parce que ça fait maintenant quasiment 6 mois que l'offre a été lancée. Regardez, tiens, un Kona électrique incroyable, 44 900 euros. Bon, c'est hors bonus, hein, je pense. La couleur, ça doit être orange tangerine, je pense. Tesla S, oh là là, 90 000 euros. Celle-là, par contre, 58 000. On va aller voir. La Ioniq, j'ai déjà vu. Une Ion rouge. Ça, c'est pas courant, hein. Le Rex 23 400, on va comparer avec l'autre. Oh là, il y en a trop par contre. Ah, je peux pas tout cliquer. Kia Soul. Tiens, Peugeot Avant, ils vendent un partenaire Tipeee électrique. Ah! E-Golf 136. C'est quel modèle ça? Je dirais que c'est le plus récent quand même. Oh, Kangoo Z2 Pickup. On va aller voir, ça peut être marrant. Ma foi. Voiture crossover 100% électrique. Tu peux pas juste mettre Kia Soul quoi, enfin. Je sais pas. Ah, une Tesla S à moins de 50 000 euros. Alors là, on clique. Renault Zoé, gamme 2017. Ouh. Moins de 13 000 euros. Incroyable. Nissan Leaf électrique. Niup. À moins de 11 000 euros. Bon, celle-là, elle s'est fait tamponner, la Zoé, là. Ah bah il y en a des voitures. Il y a pas mal de Yon et C0 là cette fois. 4900 celle-là, la Yon là. C'est une enchère ou quoi? Ou alors elle a 150 000 bornes. Ce qui est possible aussi. Mercedes Classe E. C'est tellement pas électrique. Zoé à moins de 7 000 euros. Pareil ici. Celle-là aussi. Bon, je vais pas faire que ça non plus, cliquer sur les Zoé quoi, mais. Ouh, une C0 à 6 800. Moins de 6 000 euros le Kangoo Z2 là.
quad électrique. Oh la gueule du truc. Allez, déjà la 10e page. Opel Calibra. Échange Renault Zoé contre quoi? Contre un Kona. Ça les vaut pas du tout. Sans batterie à Saxo. D'accord, une coquille vide quoi. Pas très intéressant pour le coup. Alors i3X 207 HDI, c'est nul. Ah, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces. Hein. Leaf 100% électrique, peu kilométré, on va aller voir avec la batterie apparemment incluse. Twizy électrique 6000 euros, bah, merci quoi. Une exécutive Ioniq. Ligier. 16 euros. Eh ben, il y en a, désolé. Oh là là. Incroyable, quoi. IP Thunder Edition. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est comme l'autre jour, ça se trouve, c'est la même. Allez, la 15e page. Ces courbes. On va aller voir celle-là, peut-être qu'elle n'est pas beaucoup kilométrée. Oh, une Fluence à 10 000 euros. Oh, oh la blague. Eh ben putain, faudrait me payer cher pour acheter ça à 10 000 euros. Faudrait me payer au moins 20 000. Blue Summer, Chevrolet AVO. Putain. Sérieux? Kangoo Express Z2 1100 euros. C'est quoi ce prix-là dérisoire? Bon, dernière page, normalement. Après, on va aller voir les annonces. Classe B Hunting Car. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, c'est parti. 20 000 bornes celle-là, 2016, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, je crois que c'est la. Je sais pas quelle batterie c'est, ça doit être la vieille batterie, je pense, mais. Après, elle a un Rex, donc c'est pas mal quand même. Je vais la laisser. Elle roule pas. J'ai acheté comme ça. Ah oh, putain, mais il sait pas écrire lui. Oh là là. Bon, allez, hop. Renault Zoé édition noire. Ouais, c'est pas un prix hyper concurrentiel quoi. J'enlève. Zoé de société. Elle a pas beaucoup roulé, faut avouer. Alors le Kona là. Ah qu'est-ce que c'est moche avec le sticker bleu sur du rouge ou du orange tangerine. Mon Dieu. Comme quoi il y a bien des Kona en France. Ah là là.
461 km. Bon, alors le prix là c'est hors bonus hein, je crois donc, parce que là quand même je comprends d'ailleurs pourquoi ils mettent pas le prix bonus déduit. Bon bref, de toute façon cette couleur c'est très moche donc ça plaît sûrement à des gens mais là moi ça me plaît pas du tout là, pour le coup je vais laisser évidemment. Tesla Autopilot, oui, alors celle-là par contre est très intéressante aussi, 49 000 km, super chargeur illimité, jante 21 pouces, ouais, bah, évidemment, celle-là je la laisse. Elle me dit un truc d'ailleurs, je me demande si on l'a pas déjà vu, mais bon. Dans le doute je vais la laisser. L'Ayon rouge. Effectivement, elle a pas beaucoup roulé non plus celle-là, 5 890 km. Après, ouais, 2013, par contre, elle est un peu vieillotte. Batterie garantie 3 ans, c'est bien. Bon, je vais la laisser. Par contre, le rouge, bof, bof, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai toujours jamais aimé cette couleur rouge comme ça, là. Sur une voiture, je trouve que ça ne fait pas du tout à Paris Ferrari, évidemment. Ouais, celui-là est pas mal. 23 000. Ouais, il a un poil cher par rapport à l'autre, je trouve. Je vais l'enlever. Puisque c'est ça. Le Tipeee. Concession d'Avranches. Pourquoi pas. Celle-là, donc, c'est la nouvelle batterie. Ouais, 26 000 euros. Ouais, c'est vrai qu'elle est 2017 quand même. C'est pas mal, il y a moyen de négocier, je pense. Alors ça c'est extraordinaire par contre. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? À la limite enlever la benne derrière quoi, ça fait un pick-up. Ça peut être sympa. Mais qui c'est qui vend ça en fait? Renault Istres. Sans flexi-chargeur. Ouais en gros il n'y a que le câble pour recharger aux bornes T2 ou T3 quoi. Idéal, espace vert, mairie. TTC à 8 000 euros. Ouais, bon, je vais enlever quand même parce que là. Alors, l'autre est. Enfin, elle met même pas le nom de. De la voiture, quoi. Enfin, comment voulez-vous si vous recherchez une Kia? De toute façon, elle était pas intéressante. Donc cette Tesla S, ma foi, fort sympathique. Par contre, elle n'a pas l'air d'avoir l'autopilote. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une 85. Après, elle a beaucoup roulé, faut avouer. Mais bon, 45 000 euros, c'est pas excessif, je trouve. Peut-être moyen même de descendre le prix encore. Je vais essayer. Alors celle-là, ça doit être nouvelle batterie aussi. Elle a pas beaucoup roulé. Hein. Ouais, je vais la laisser. Yup, 75 000. Oh, oulala. Tarif ferme. Ouais. Après, moi je trouve qu'elle a beaucoup de kilomètres. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. J'aurais vu ça en dessous de 10 000, moi. Ah, ils ont caché la plaque avec un carton. Magnifique. C'est très très beau. 99. Je crois qu'il y a un petit souci là. N'importe quoi, hein. Ah, elle a quand même 111 000 bornes dans la tronche. On sait pas l'année parce qu'il s'est foiré. Pourquoi 99? Je ne sais pas. 99, ça n'existait pas à Lyon.
Même les IMU, ça n'existait pas. Hein. Bon, après, 4 900 euros, ouais, c'est un poil cher, je trouve. Il y a peut-être moyen de négocier. Je vais quand même la laisser parce que. Ouais, 100 000 bornes celle-là. Oh là là. Non, c'est un poil cher. Ça va aller mieux. Voilà, c'est moins de 50 000. Je la laisse. Celle-là, encore mieux. Je la laisse. Alors celle-là, 64 000. Oh, il y a une croix de Jésus. C'est beau. Putain, sérieux, il est religieux, quoi. Mais il y a un écran tactile. Ah ouais, il a installé un écran tactile. Ça, c'est un plus, par contre. Eh, j'avais pas remarqué, mais ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ça, c'est un petit plus bien sympa. Du coup, je vais la laisser. De batterie à 86%. Ouais, en 6 ans, elle a pas trop perdu, ça va. Par contre, l'autonomie, je sais pas comment il conduit, mais c'est pas terrible. 14 en plus, tiens. C'est situé où ça? À Brest. Ah. Ouais, à la limite. Alors, la Zoé, là. En échange. Oula! Pourquoi il y a du noir derrière? Putain, ouais, elle a bien tamponné là. Non, mais alors là, le biton, coffre noir, le reste blanc. Ouais, c'est un peu bizarre son truc, lui. Je vais enlever parce que. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne celle-là? 32 000 km. Ils appellent ça peu kilométré. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est pas non plus peu kilométré. Moi, je m'attendais à 10 000, 15 000 maxi, quoi. Ouais. Batterie incluse, d'accord, mais bon, ça fait pas tout, quoi. Bon, 15 000 euros. En plus, c'est une 24 km, faut pas déconner, quoi. Et notre petite Ioniq. Ma foi, fort sympathique. C'est vrai qu'en noir, elle claque bien. C'est une 2018 en plus. Tout, tout, tout. Après, bon. J'ai envie de dire 30 490. C'est peut-être un poil excessif quand même pour une Ioniq. Alors, qu'est-ce que c'est que cette IP Thunder Edition là? 2012? On l'a pas déjà vu celle-là? Ouais, si. On l'a déjà vu celle-là. IP Thunder Edition, quoi. Carrément. Bon, bref. J'enlève parce que on l'a déjà mis de toute façon. Ouais, celle-là elle est un peu étrange comme voiture. C'est même, on dirait un quadricycle plus qu'une voiture, quoi. Je me demande comment ça roule, ça. J'en ai rien, elle est trop chère. Bon, celle-là est pas mal. 8005, mais elle est 2015, elle a que 25 000 bornes. Ce qui veut dire qu'elle a quand même pas mal de garantie devant elle. Je crois qu'il l'a précisé d'ailleurs. 5 ans, ouais, c'est ça. Donc je vais laisser. Alors ça, faut qu'on m'explique. Ah oui, aux enchères. D'accord. Au revoir. Et donc voilà, pour cette semaine, j'en ai gardé une quinzaine. 12-13 peut-être.
Oh le connard. Tiki Golf. Une Tesla, une deuxième Tesla du coup, 45 000 euros, et c'est Zoé, ouais, 12 990. La Yon, bon celle-là elle a beaucoup de kilomètres, faut avouer. Peut-être moyen de descendre encore le prix. Une C0 avec un ordinateur de bord, c'est pas mal, ça fait un petit plus sympa. Quand vous êtes deux, Peugeot Yon encore. Et donc voilà pour cette semaine, je vous dis bon week-end, ciao!